또 내본 얘기. Un peu d'idées, et puis voilà, nous voilà retrouvés du coup pour 2 heures sur Van Helsing, le jeu que je mets en arrière-plan, ça sera mieux. Voilà, donc Van Helsing, un jeu qui est sorti il y a quelques temps. Rappelle-moi, Tenchi, du coup, j'ai pas la date, ça à peu près 3-4 ans. Peut-être qu'il est sorti. Ce genre-là, oui. Ouais, ça fait à peu près, ça fait un petit moment qu'il est sorti. Mais voilà, on l'a redécouvert il y a pas longtemps avec Tenchi, et puis on s'est dit, ah, tiens, pourquoi pas vous le présenter, vous montrer un peu ce jeu si vous ne le connaissez pas. Et puis, voilà, on a commencé une partie multijoueur à deux, et puis là, on va continuer ça ensemble. Donc voilà, je vais créer la partie. Du coup, vous verrez pas le mot de passe puisqu'il est caché par ma grosse tête. Voilà, on va faire ça en coop avec Tenchi. Hop, voilà, donc chargement de la partie. On passe sur le layout et puis on est parti pour 2 heures de fun. Et sur le changer un peu d'élite. Van Helsing, il est sorti en mai 2014. Mai 2014, donc pour la date de sortie. Je vais peut-être baisser un peu la musique une fois que le jeu sera lancé. Parce que du coup, vous devez pas entendre terriblement Tenchi. Chargement. Un petit peu long le chargement quand même. Ouais, faut que je crée le serveur, donc forcément c'est un peu plus long. Voilà, nous voici sur la partie. Alors la musique, bien qu'en jeu la musique est vachement plus faible, c'est sur le menu qu'il est fort, je crois. Je risque d'avoir un petit lag, j'arrive. Voilà, donc on va, le temps qu'il arrive, je vais vous montrer un peu donc l'interface du jeu. Donc c'est un hack and slash aventure avec un vachement de quêtes, un système qui est vachement complet au niveau du gameplay. En bas, donc, vous avez les barres d'action qui se situent en deux secteurs séparés. Donc Abraham qui vient de se connecter ici, c'est Tenchi. Hein. les barres qui sont ici, les 6 barres, donc c'est les barres de sorts secondaires, on va dire. Et ici, vous avez les 2 sorts primaires qui vont être avec le clic droit, clic gauche à souris, qu'on peut basculer avec une touche. Donc, vous voyez, moi j'ai mis un mur de feu et un éclair d'énergie en tir principal. Et en option, j'ai mis un système de contrôle des ennemis. Voilà. Et ici, donc, les sorts qu'on va débloquer au fur et à mesure. Pour l'instant, on n'en a que 3. Je crois qu'on veut... ça... Ah, bien que, tiens, j'avais pas vu, on peut faire ça. Ah, ça c'est bon. Ouais, vous voyez, j'en découvre avec vous, c'est cool. Salut, l'Hero of Gaming, et bienvenue sur le live. Donc ça c'est cool, je vais pouvoir mettre le contrôle ici en fait. Ça c'est bien, je vais peut-être même échanger, tiens, je vais le mettre ici le contrôle. Et ici je vais mettre les mirages. Mirage en fait c'est 3 personnages supplémentaires qui viennent nous aider, parce qu'en fait on joue toujours à 2, même quand on est en solo. Il y a donc notre personnage principal qui est là au centre, et puis l'espèce de fantôme là qui nous suit partout. Et quand on est 2 du coup en multijoueur, bah finalement on est 4. Sauf que moi j'ai une capacité de pouvoir les dédoubler pendant un certain temps, donc ils ont 50 points de vie et il y en a 3 supplémentaires. Après j'ai un sort pour ralentir, j'ai là donc le fameux sort de contrôle qui me permet de contrôler pendant 12 secondes un ennemi, j'ai arrivé à parler. Un sort de soin, et puis voilà, donc ça c'est pour la barre des sorts qui est en bas.
Ensuite ici vous voyez, vous avez, je sais pas d'ailleurs si vous le voyez avec le layout, si vous le voyez, il y a un petit, en haut là il y a une petite tête, ça c'est la gestion justement du personnage du fantôme qui vous suit partout, avec ses potions d'ailleurs, qu'elle en a plus, il faut que je lui enfile, donc on va lui refiler des potions, hop, voilà, on va faire deux tas, et on va lui ouvrir son inventaire, et on va lui donner des potions, voilà. Parce qu'elle en bouffe plus que moi, vu que moi je suis pas au corps à corps, et elle oui. Elle a son propre inventaire, donc d'équipement, mais aussi son inventaire, c'est un stockage en fait que vous utilisez. Et quand vous allez renvoyer le fantôme en ville, parce qu'on peut le renvoyer en ville, bah, elle va revendre tout ce qui est là, et on peut même lui demander dans l'attitude d'acheter des potions, etc. Donc ça c'est pratique. Bon, bien sûr je peux pas le faire en ville. Là c'est le deuxième joueur, donc c'est Tenchi qui est avec nous. Et puis en bas, bon, y a tout le reste, les classicos, l'inventaire, fiche de personnage, les compétences, les aptitudes, le journal de quête, la carte du monde, les succès, la gloire. Alors les succès et la gloire, apparemment c'est deux trucs différents. Voilà. Le menu général, voilà. La map, vous la voyez pas trop, elle est ici. Vous voyez un tout petit bout entre la webcam et le layout. Et puis voilà, on a fait un peu le tour de l'interface du jeu. Là, on est en ville. En fait, au bout de quelques heures de jeu, on a débloqué la ville où on a des personnages qui nous donnent des quêtes, comme celui-là, le prisonnier 7, qui est un personnage qui nous suit depuis le début de l'aventure. Et après ici donc on a un poste de commande qui nous permet d'envoyer des PNJ faire des quêtes un peu à la comment ça s'appelle, qu'est-ce que je t'avais dit déjà comme jeu, Star Wars The Old Republic. Voilà, où on a des personnages qu'on envoie faire des quêtes pour récupérer des choses. Bon, là c'est un peu la même idée, on va envoyer des personnages. D'ailleurs je vois que mon troisième est revenu et qu'il est blessé, donc voilà, ça c'est les trois personnages. Ça ne se fait pas quand on est hors ligne forcément, puisque c'est pas un serveur, ça se fait localement. Donc quand on n'est pas en ligne, le temps affiché pour les missions ne défile pas, donc il faut vraiment être connecté. Et là si je regarde mon rapport, j'ai perdu 2 soldats et l'échec de la mission, voilà. Mais mon personnage a pris un level, ce qui va me permettre de lui donner un sort supplémentaire, une capacité supplémentaire. Maître stratège, archer légendaire, défendeur de génie, reconnaissance, instructeur et élu. On va prendre maître stratège, je crois que voilà, je suis un petit peu ledge là-dessus sur cette compétence. Voilà, ça permettra de monter un tout petit peu. Guérison dans 30 minutes, donc je peux pas l'utiliser pendant 30 minutes. Lui c'est 16 et lui c'est 29. Donc voilà, pendant un quart d'heure, je ne pourrai pas donner de mission avant qu'il y en ait un qui soit soigné. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre en ville ? Bah, à côté, on va se déplacer. Toujours, on se déplace avec le clic de la souris, un peu la Diablo. Ici, on a un coffre. Voilà. D'ailleurs, je crois que j'avais looté des trucs, voilà, ça, que je voulais mettre dans le coffre. C'est des trucs que je pourrais mettre qu'au niveau 30, donc autant les laisser dans le coffre. Ce coffre est accessible à tous les personnages qu'on a, donc ça c'est cool, c'est un coffre commun. Ensuite ça c'est un téléporteur, ici on a un premier vendeur, voilà, à la Diablo, hein, ça y a pas grande surprise. Par ici, on a quoi d'autre déjà? On a... le Gaspard, donc ça c'est pour initialiser points de compétences moyennes en finance, forcément. Ici on a un système d'enchantement, donc qui permet d'enchanter les objets qu'on a loot. Donc ça je l'ai pas encore trop fait parce qu'on est encore début level. Là, pardon ? Moyenne en finance, bien entendu. Moyenne en finance aussi. Le fameux parier qu'on retrouve aussi, ça c'est à mon avis, ils l'ont bien piqué de Diablo, où on achète des objets qui sont pas identifiés, donc on sait pas du tout ce que ça va être. Moyenne en finance toujours. Un autre vendeur d'objets magiques, toujours moyenne en finance. Donc il faut beaucoup de thunes dans ce jeu. Hein. Voilà. Tout coûte cher. Même là, le système que je vous ai montré, le poste de commande, il faut entraîner la milice qui va soutenir les commandants. Et ça coûte de l'argent aussi. Ici, c'est la sortie de la ville. Et il me manque un truc à vous montrer, c'est lui.
Lui, c'est le laborantin, qui va permettre d'enchanter d'une façon différente des objets. Il faut que les objets aient absolument le petit logo violet en bas à droite. Donc, par exemple, vous voyez celui-là, il est enchanté. Et tout ce qui est pour l'enchanter, en fait, il va vous falloir des essences qu'on trouve sur les monstres. Là, c'est ces objets violets qui sont ici et ici. Qu'on va pouvoir mettre dans les objets, mais chaque objet a une capacité bien spécifique. Par exemple, celui-là, il a 15 de capacité d'essence, et chaque essence a un coût. Voilà, donc 7, 5, etc. Donc on est limité. Et on peut faire des mélanges aussi. Donc je crois que c'est ici, on peut améliorer des essences en combinant deux du même type, et ici, en combinant deux différentes, on va pouvoir obtenir une troisième encore plus puissante. Voilà. Tout ça coûte des pièces d'or, et les pièces d'or, bah, c'est pas très rapide à avoir. Voilà. Donc je crois qu'on a fait à peu près le tour de la base. Café. Je crois, oui. Bien sûr, hein, comme tout jeu de combat à la Diablo, moi j'appelle ça des Diablo-like. Hein. vous avez potion de santé et potion de mana, voilà. Et eux, ils ont rajouté une troisième barre en plus des PV et de la mana. On a la rage qui va pouvoir être consommée par certains sorts ou, si elle est au maximum, pouvoir booster certains autres sorts. Tout ça, ça se voit dans les compétences et les aptitudes que je vous montrerai plus tard parce qu'on va pas tout faire tout de suite. On va passer un peu à l'action. Donc on va prendre la quête qui est là-bas, voilà. Aussi une grande différence, bon les personnages parlent tous, donc il y a un dialogue avec un mouvement de caméra, etc. C'est sympa on va dire, et on a des choix à faire dans les discussions, et en fonction de ces choix ça va influer sur l'histoire. Donc ça c'est plutôt pas mal aussi, ça c'est un gros plus sur le jeu. Voilà. On va lancer la quête du coup. Your magic. I'm going to set a storm guard against the forces of mad. Du coup, j'ai mis le track hier pour jouer, mais non, je vous laisse voir la vidéo. While the resistance is safely holed up in the lair, I'm leaving the city to find this Perun. Prisoner 7 is taking us to an abandoned part of the mountains. Far beyond the reaches I've already explored. Our destination seems to be shrouded in mystery. The place has a nasty reputation. That's all I know. Even the professor avoided those peaks for some reason and removed it from the official maps. Prisoner 7 is oddly silent about this forbidden plateau, which makes me even more curious. It's time to do some exploration. Miam, miam. Fight. Voilà, donc qu'est-ce que je disais? Je disais oui, j'avais le track hier pour parce que j'étais parti sur du Elite Dangerous et finalement, bah voilà, petit changement de programme pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Voilà, on avait envie avec Tenchi de changer un peu de jeu, donc voilà, nous voici sur Van Helsing 2. S'il y en a 3, c'est ça, 4 même maintenant. Le quatrième étant une combinaison des trois premiers. C'est ça. On se réserve Elite pour la sortie de la 2.1. Ouais, on fera une grosse overdose d'Elite après. Une fois que la sortie de la prochaine mise à jour est faite, et Elite, ça va fumer. This mountain once used to be the realm of Koshai, the Deathless, the most powerful being who ever lived in Borgovia. The place is still bursting with his dark magic, so it has become home for the mighty entities like Perun and his kin. And it's impossible to reach the peak by arcane means. Both of you must walk. Both of us? Aren't you coming with us? Your humble ally is too weak. The years he spent in Fulmigadi's test chambers left him broken. And imagine how much help this man can be in Borgovia, searching for the general's secrets. Good luck. Voilà. Bon, c'est un... Fuyons. Voilà. J'espère juste que voilà, le jeu ne...
ne sera pas trop gourmand en bande passante, qu'on n'ait pas trop de drop rate. Vous me direz hein, si c'est un peu trop dégueulasse, je modifierai un peu les options graphiques. Peu que j'arrive à voir, ça a l'air fluide. On bouge pas encore beaucoup, il y a pas eu de combat, voilà, donc il faut voir ça. Justement, voilà. Voilà. Bah, en parlant d'action, hein. Hop, tiens, allez-y, battez-vous entre vous là-bas. Bon, c'est pas du Diablo non plus, l'action elle est plutôt limite. I see you are still ignoring my advice about your mirror-faced friend. Why shouldn't I believe him? He's been helping us all the time. Why do you trust him? Because he's also mysterious and wears a mask. Is there a club for the likes of him? Wow, c'était quoi ce bruit? Oh les monstres, les cris qu'ils font, c'est énorme. J'adore. Ouais. Les sous. Ah oui, ça aussi, c'est un truc qui est pas mal. Vous voyez, donc le fantôme, quand on est hors combat, il a cette forme-là. Dès qu'on passe en combat, il va avoir la forme que vous allez voir ici. Voilà, ça c'est la forme de combat. Quand il est hors combat, il ramasse les objets pour vous. Donc tout ça, c'est par rapport à la personnalisation du personnage ici. Donc, je vous remontre dans l'attitude. Voilà, on peut lui demander. Moi, je lui ai demandé de ramasser l'or, les potions et les essences. Les objets, je préfère les récupérer dans mon inventaire et lui filer après. Ça évite qu'elle vende des choses qui pourraient m'être utiles. Voilà. Je surveille du coin de l'œil les images perdues, mais ça va, ça a l'air d'être plutôt correct. J'ai l'impression qu'il y en a un rare. Ah, attends, hop, j'en capturé un des trois qui est là-bas. Bien vu. Et hop, on va les faire cramer. Nickel. Ils se sont auto-tués. C'est génial. Alors par contre, je vais inverser deux trucs parce que j'ai tendance à utiliser plus souvent ça que ça. Voilà. Le petit coffre. Une armure de qualité. J'ai même pas vu si... Ah si, j'avais vidé mon inventaire. Allez, on continue. Merde, je me suis trompé. Alors par contre, il y a un truc que j'ai vu là sur les derniers combats, qui est bien pratique, c'est que... Mes invocations, mes triples invocations, elles ont un certain nombre de points de vie. D'ailleurs, elles sont passées où? Je crois qu'elles sont parties. Ah, normalement, elles ont juste un. Ah non, elles durent 22 secondes aussi, d'accord. Par contre, je peux les soigner. Quand je fais des soins là, de zone, ça les soigne. Alors ça, j'ai même pas vu, ça fait quoi? C'est un espèce de buff, non? Oui, voilà, c'est comme les buffs sur les deux. Bonus de loot de 10%. D'accord. Oh, c'est quoi ça? Je sais pas, mais faut le détruire. C'est un espèce de bâton. Bâton de buff de méchant. Donc vous voyez, là, Mara, j'étais quasiment à fond, 45 sur 46, elle monte en combat. Et quand elle est à fond, moi je l'utilise pas parce que j'ai des buffs de dégâts quand c'est à fond. On peut consommer cet orage pour donner quelques petites améliorations à certains sorts, mais uniquement sur un coup en fait, sur le prochain coup du sort en question. Je vais encore baisser le son du jeu parce que j'ai l'impression que ça couvre ta voix. Ouais, cramer en enfer!
C'est les mythiques qui sont au fond là, qui balancent ces espèces de totems. Ceux qui sont loin derrière. Ah, attends, il y a un expert en champignons là. En promenade, d'accord. Expert en champignons en promenade. Lol. Ah ben le voilà. Ah ben voilà. I guess naming the guild uneducated didn't have the desired ring to it, so they went for a bigger word. Je crois qu'il ne trouvera plus beaucoup de champignons maintenant. Voilà. Ah, coffre. Un truc qui est pas mal aussi, je sais pas si vous avez vu du coup en jouant, mais mon sort de mur de flamme, eh ben si je veux, je peux faire ça. N comme Native Gaming. You know, it's strange that nobody told me about the legend of the dead. Aïe, 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 aïe. Voilà. J'ai réussi à en capturer un. Bah c'était le dernier. Pas grave, il est parti se battre. Nous avons peut-être une nouvelle recrue à défendre pour notre cause. Venez ici s'il vous plaît. C'est l'histoire de... Hop. L'histoire, en fait, il y a un moment quand on arrive en ville, on voit une espèce de machine un peu bizarre et on leur demande ce que c'est. Et c'est un truc de communication en fait, qui bouffe beaucoup d'énergie d'après ce qu'ils disent. Et c'est ça qu'on entend de temps en temps dans nos oreilles avec la petite notification en bas. Voilà, voyons, ma colère est au maximum, du coup je fais 75% de dégâts critiques supplémentaires. Ça s'affiche ici, j'avais pas vu que les buffs c'était en bas à gauche. Le feu. Et on va les ralentir un peu. Ils feront moins mal. On va sortir ce cercle de flamme. On s'en fout de ces trucs là en fait. Hop, voilà, ils font mon boulot. Oh joli. En fait, elles supportent pas de se frapper entre elles. Bon, ça y est, t'as fini. Du coup, il est presque trop long, mon contrôle. Un coffre là-bas. Comment on y accède? Comme ça. Le dessus, ça fera tout le monde. Il a l'air de rien avoir par... Ah si, il y a un truc caché, non? Non? Ah non. C'est notre zone d'arrivée. En bas. Continuons. Ah, lance dans le mur. Hop! La lance de Don Quichotte. Hop! Un petit coffre là-bas? Non, il n'y a rien. Poisson rouge. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est que cette histoire poisson rouge? I can't believe it. My wishes will come true. Katarina, you're talking about my frozen dinner. It's a goldfish, silly. It will grant you three wishes. Wish for something. It's worth a try. I wish I had a sweet, polite
ghost. I should have known. You arrogant pesky mortal. See? Ça n'a pas marché. Je le prends pour dîner. Ah là là. Il y a de l'humour, c'est énorme dans ce jeu aussi. Tellement. Ah, je crois que lui, il est capoute. Attends, il y a encore du monde là-bas. Brûlez ! Allez en enfer ! Ah non, pas ça, ça me bouffe toute la mana. Là, du coup, je suis en train de voir qu'avec le layout, il voit pas. Les noms des mobs s'affichent pas, du coup. Someone called John. A list of the goods. Impressive list. Jewelry, weapons, expensive silks. Can we go now? Voilà. C'est liste de course. Ouais, c'est sa liste de course. dégâts augmentés de 25%. Allez, on est parti. Dans une boîte. Attends que le totem soit fini pour que tu puisses me. Bah attends, j'ai encore un cerf lugubre vétéran qui m'attaque. Merci. Vous avez vu, on peut raise ses potes, ça aussi c'est cool. T'as vite de gauche. T'as trouvé un coffre. Où ça hein? Non, c'est pour un peu loin, bah t'as. Monsieur. On n'a rien oublié là-bas? Si. À droite. Qu'est-ce qu'on a de beau ici? On a un téléporteur et on a du monstre encore. Encore du monstre un peu plus loin. Ah! Maybe the villagers are waiting for the signal to return. It's a creepy abandoned village. It might be cursed. Alors qu'est-ce qu'on fait? On touche ou on touche pas? Bonne question. Ouais, on touche. You are way too careful. I strike the gun. Oups. Oula, mauvaise idée. Ouais, bah voilà, je suis mort. J'ai fait un appel à un ami, moi. Justement, je suis parti dans une boîte. Copine! Voilà! Sur les 4, il y a une copine maintenant. Par contre, est-ce que je peux pas réapparaître? Certes, mais un petit peu plus loin. Attends. J'essaie de les éloigner de ton corps, en fait.
Ah, attends, j'ai une meilleure idée. Je reviens au centre. Voilà. Hop. 3, 2, 1. Je suis là. Ok. Ah putain, ça faille, il y a des moments sur les monstres. Y'a pas de contrôle hein, ou... Le contrôle il marche pas à tous les coups en fait. Ah dommage. Hop, on va les faire brûler un peu. J'ai oublié de faire du ten run. Ouais pareil. Ah voilà, un contrôle. Là je me suis pris d'un coup, j'ai perdu quasiment toute ma vie. Hop, et de une. On a pris un level up. Oh, GG. Et toi, t'es copine toi. Allez, vas-y, tape ta copine. Voilà. Oh, joli. Et je suis pas mort. Ouais, je suis pas mort. qu'est-ce qu'on a gagné? Un manteau et une cape. J'ai pris un level. Alors, nous aussi. Est-ce qu'on est tranquille là? Est-ce qu'on peut regarder tranquillement le level? Ouais. Allez, ouais. Il n'y a plus personne. Alors, on va déjà commencer par la réputation. Alors ça, c'est un truc aussi qui rajoutait en plus des sorts et des compétences. C'est-à-dire qu'on va gagner de la réputation au fur et à mesure qu'on avance, et cette réputation déclenche des capacités supplémentaires, des reliques, comme ils appellent ça, qu'on va pouvoir activer et qui vont pouvoir nous faire un boost. Pour l'instant, j'ai pris plus 10% de... Pardon. Plus 10% de heal, et le truc qui fait que je suis pas mort une bonne grosse paire de fois, c'est la seconde chance qui fait que quand je meurs, je suis incorporel pendant 4 secondes, donc je me casse, et donc en gros je meurs pas, je reviens à la vie sans avoir à payer quoi. J'attends avec grande impatience. Ouais, ça je l'ai déjà mis. Et là, du coup, je vais en prendre un troisième. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a plus 10% de vie. Rechargement 5% plus rapide. Confère une immunité à tous les effets entravant le mouvement. D'accord, ça veut dire qu'on peut plus être figé. Ça m'est jamais arrivé. Ah si, ça nous est arrivé. Il y a un endroit où il y avait des mâchoires qui nous prenaient, en fait. Plus 10% de base pour les dégâts de Katarina. Katarina, c'est notre fantôme. Régénération des PV et de la mana. Ah, ça peut être pas mal. Plus 20% de régénération de mana et de points de vie. J'ai ça pour toi. Je garde ça sous la main. Après, on a quoi? Dégâts élémentaires. Plus 10% de dégâts lorsque la rage est à son maximum. Ça serait utile aussi. Temps de réapparition, moins 33%. Ah non, c'est pour l'Edric Katarina. Pardon. Lors de la première attaque, vous avez 5% de ça, on s'en fout. Et collectionneur, une poche d'inventaire supplémentaire. Pour l'instant, c'est pas utile. Donc, je vais prendre la régénération des PV. Toc, voilà. Merci pour le manteau. Je vais regarder ça tout de suite d'ailleurs. Qu'est-ce que j'ai dans mon inventaire de joli? Ça, c'est pas terrible. Ça, c'est pas terrible. Ça non plus. Ça non plus. Non identifié. Donc, clic droit. Hop, ça identifie. Plus 27 PV, on perd de la mana. C'est pas terrible. Ça, c'est pas trop mal. Qu'est-ce que je perds? Que du bon. Allez, hop, on équipe. Ensuite, ça, c'est pas terrible. Ça, alors on va quand même comparer avec Alta pour l'inventaire de la Miss, du fantôme. Dégâts de poison plus 2. Ça lui fait baisser son DPS et ça. Ouais, non. Oh, c'est pas terrible pour elle.
La musique est excellente aussi. Je trouve que la bande sonore est très très bien faite. Plus 10 en puissance de sort. Je perds en défense. Alors le DPC. Dégâts par clic. Par coup quoi. Moi je dis par clic parce que pour moi un coup c'est un clic. la cape c'est ce que tu m'as filé non? Non toi tu m'as filé le manteau des gardiens. Et la cape lourde par contre ça c'est pour toi. Bon, rien d'intéressant. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir l'inventaire. Cet inventaire là. Et on va. Alors, c'est majuscule clic droit. Voilà. Hop, voilà. Il y a encore ça qui peut rentrer. Ça. Ça. Et c'est tout. Et du coup, on va la renvoyer en ville. N'oublie pas de lui rajouter les potions. Ouais, trop tard. Elle est déjà partie. Ah, dommage. J'y ai pensé au moment où j'ai cliqué en fait. Mais c'est pas grave, j'en ai. Elle en a encore 5. Je lui ferai acheter tout à l'heure. Parfait. Si tu as besoin en potion de mana, je peux t'en donner. Je m'en utilise pas. Ouf, j'en ai 82. Ils sont pas très causants aujourd'hui hein, sur le chat. Hein. Pourtant, il y a du monde. Hein. Comment ça va tout le monde? Niveau requis 12 et ça, pourquoi je l'avais gardé? Parce que c'était mieux au moment où je l'ai looté, mais maintenant c'est pas terrible. Voilà. C'est bon pour moi. C'est bon pour. C'est bizarre, j'avais pas de compétences. Ah non, je croyais que j'avais. Bah si, j'ai pris un level, pourquoi j'ai pas de points de compétences, tiens? Bon, c'est bizarre. Ah, mais c'est un level d'aptitude que j'ai eu. Voilà, donc j'ai gagné des sous. Elle, je vais lui redonner ça. Et ça, je crois que ça peut être intéressant pour elle. Non, et... Ça, je vais lui mettre. Tac, voilà. Et du coup, là, maintenant, je peux lui dire dans l'aptitude... d'aller prendre 20 potions de mana histoire d'être tranquille, de vie pardon, histoire d'être tranquille, santé, potion de santé, c'est ça. Et allez hop, voilà, elle est partie. Du coup je vois qu'il y a une quête, il y a deux quêtes même, il y en a une en bas là. Celle qui est à gauche, c'est qu'on peut la rendre je crois. Ouais, et celle-là on peut la rendre, on va la rendre déjà. Don't hurt me, stranger. I'm just an old man with severe hair loss and skin problems. Everyone takes me for a ghoul. Can you imagine that? Do you know why that is? Hop, t'as vu, elle est revenue du coup. Please believe me. If you could give me a hat to cover my ugly head and a spare change to buy some clothes. I pass for a decent mortal. Well said. You'd pass for a mortal and find new victims. Qu'est-ce qu'on lui donne? À manger ou de l'équipement? Bonne question. Bon, allez, on va lui donner à manger, le chapeau, c'est... I have some provisions left. What would you like to eat? That's really kind of you. Sir, I could kill for a slab of raw meat. A juicy eyeball. Heavens, I'm really a ghoul. I die. Lol, quoi. Bon, bah voilà, hein. Salut Nîmes 52, ça va très 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 bien en ce dimanche, en ce petit dimanche après-midi. Merci à toi d'être là. Et puis voilà, on va continuer. J'espère que ça vous plaît ce petit jeu aussi, ça change un peu.
petite musique cool, calme, posée là, vous vous mettez sur le canapé avec le petit café et on profite de tout ça. Truly anything like me. He's already destroyed the idol, and he's killing monsters on the other side. I doubt that. The bridge would be closed in that case, but it's still here. The question is, are you willing to help me? Yes. I'd like to meet this hunter anyway. Wait. If the gate bridge disappears after the idol is shattered, how will we return? The following incantation will open a temporary gate to the idol. Flumi! That's pure gibberish. What was that supposed to mean? Honestly, I have no idea. But it always worked for me. Je crois qu'on va trouver un espèce de Gandalf déjanté, là. J'allais dire, ouais. Il ressemble trop, en plus, quoi. Oh oui. Et il y a plein de clins d'œil à la con comme ça sur ce jeu. C'est hallucinant. Bon! Oh putain, comme ça, comme elle a giclé, elle. Qu'est-ce qu'on a là? On a une armure ancienne. Est-ce qu'on la prend? Laisse-moi te résumer la situation. Ceci est un ancien hôtel avec un objet matique de valeur posé dessus qui ressemble fortement à une offrande sacrée et nous sommes en Borgovie. Alors non, je ne vais pas y toucher. Oh, moi je prends des risques, moi. C'est tout ? Rien que ça. Ah, je m'attendais à avoir un monstre qui sort ou quoi ? J'ai rien eu dans le coffre, je suis déçu. Moi j'ai eu une essence. Bah écoute, on va prendre le... Tu vois Nîmes, je t'ai lu avant même que t'écrives. Prends-la qui me dit. Vous ne passerez pas. Mais si, on va passer, regarde. Hop, tu vois, on passe sur le petit point invisible. Ça me fait penser à... Ah, comment ça s'appelle Zut, ça y est, j'ai perdu le nom. Oh là, attends, on je va s'occuper. Tu veux parler. Le point invisible, c'est dans quoi déjà? C'est une... C'est pas Indiana Jones. Je me souviens Indiana plus. Jones remonte à très longtemps, je peux te dire. C'est pas Indiana Jones, c'est une copie d'Indiana Jones, je me souviens plus comment ça s'appelle là. Où justement il doit traverser un pont invisible. Bon, tu me diras, il y en a plein des trucs comme ça. Stargate aussi, il y en a. C'est moi ou elle s'est téléportée, elle? Putain, j'avais pas vu, t'as vu, c'est des gros des espèces de gros diamants, là. Ouais. Tiens, encore un point invisible. Ah, j'ai peur, maman. T'as pas intérêt d'ici, par contre. Elles font mal, hein, les cocottes, hein. Heureusement, il y en a une, elle est à moi. Bon, elle était, elle est par terre, maintenant. Obélisque de coup de tonnerre.
Ça me fait penser aussi à du Diablo, ça, l'obélisque du coup de tonnerre. Ouais. T'as vu les rochers qui volent là au-dessus de nous? Ouais. Il y a un coffre. Épée non identifiée. Des sous, encore des cailloux qui volent. Oula. Je vais partir les pierres d'avant. Oula, c'est quoi ce truc là? Ça nous ralentit en fait cette zone. Ah ouais, ça bouffe la mana, d'accord, donc je vais éviter d'y rentrer. Ça me bouffe tout court. Ah merde. Hop, je vais les ralentir le temps que je chante. Ah, saloperie de piège. D'accord, c'est un pilier qui les soignait en fait, d'accord. La miss elle est morte et elle a plus beaucoup de potions. C'est quoi ce portail? C'est un portail où il y a les monstres qui sortent, ça? I suppose this might be the time to utter that silly incantation. Ladies first. Right. Now you are a proper gentleman. Flumi. Let's do this. Flumi. Ou pas. Ça a pas l'air de marcher. On s'est fait entuber par le l'invocateur, quoi. Salut Psycho, bienvenue à toi. Comment ça va en ce dimanche après-midi? Ah, il y a un coffre là-bas. Du coup, ah. La porte d'incantation est ouverte droite. Ah oui, d'accord. Alors attends, j'ai looté une épée non identifiée rouge. Que je vais identifier tout de suite. Épée juvénile. Oh, elle est jolie. Elle est très très jolie. Niveau 38 requis par contre. Et la classe, je ne l'ai pas. Est-ce que... Alors attends. Est-ce que ça serait pour elle? Est-ce que ça serait pour elle? Non, c'est pas pour elle. Est-ce que c'est pour toi, ça, par hasard? Et une armure non identifiée. Apparemment, oui. Eh bah écoute, voilà, cadeau. Une superbe épée. Merci. Que tu ne pourras pas équiper avant. Pouf, au moins ça. Je t'ai donné aussi des brassards. Ouais, je vois ça. Les brassards, par contre, ne me sont pas utiles. Et moi, j'ai looté une armure avec plus 72 PV. Mais je perds en mana. Je perds 10 en mana, je sais à combien. 391. Ça fait quand même pas mal de pertes. Par contre, je gagne vachement en protection. Est-ce que je le mets? Défense 52 quand même. Ouais, je sacrifie un peu de mana, tant pis. Ce qui fait que du coup, je vais pouvoir peut-être équiper ça à la miss. Ouais, ça lui fait gagner un peu de tout. Voilà. Ne me trompe pas, voilà, c'est bien ça. J'ai eu un doute sur la comparaison, mais quand tu mets dans l'inventaire de Katarina, en fait, ça compare directement, automatiquement, avec son propre inventaire. Oui. Niveau 12, requis.
gentil pour ce que j'ai loot. Et oui, je voulais lui filer tout ça, tout à l'heure des potions parce qu'elle en a plus que deux. Parce que quand on lui demande d'aller acheter des potions, elle nous les file, elle les garde pas. Bah écoute, ça va très très bien, Psycho, la patate, on est dimanche après-midi, on est tous ensemble, on s'amuse un petit peu sur ce jeu sorti d'outre-tombe, si je puis dire. Voilà, on se régale bien avec Tenchi qui est avec moi. A plus tard, Nîmes, merci d'être passé, et passe une bonne après-midi. Du coup, il faudrait peut-être que je fasse le level de Katrina. Moi, je mets tout en point de vie. Voilà, je suis un fou. Elle est là pour prendre des coups. Et du coup. Ah, ça, c'est pas mal, ça. Lien magique vous permet de bénéficier de la résistance, pardon. Spectral de Katarina, je vais arriver à parler, vous protégeant contre tout type de dégâts. 3% la résistance pour moi-même. C'est moi, Van Helsing. C'est nous. Je parle pas de moi à la troisième personne, c'est juste qu'on est deux. Merci. Ah, bien que, attends. Faut que je regarde sur les autres onglets si j'avais pas quelque chose que je voulais lui mettre. Donc ça, c'est la résistance de Katarina. Et ah ouais, il y avait ça qui m'intéressait, surtout que là, je viens de perdre pas mal de mana. Quoi, 10 points de mana. Je suis descendu à 381, et ça me régénérerait plus vite ça à chaque fois qu'elle tape. Alors, on va prendre ça, on fera de la résistance plus tard. Pour l'instant, je meurs pas, moi. Parce que j'ai pas le sort. Bah, il fallait le prendre. Tu l'as pas vu en fait, non? Non, j'ai augmenté. Si, je l'ai vu, mais c'est juste que j'ai pris du dégât à la place. D'accord. Bah écoute, go porte d'incantation du coup. Ouais, il faut revenir à côté le vieux. Voilà. Parfait. D'ailleurs, il a fermé le... Ah bah non, c'est nous qui les avons détruits en cassant le pilier. C'était ça la quête. Voilà. Next time you hire a hunter, choose more carefully. And good luck. Voilà. Comment il s'appelle lui d'ailleurs? On n'a pas son nom quand on survole. J'aurais bien aimé voir le nom qu'ils lui ont donné. Ça va être un Gandalf ou un truc du genre. Alors on a gagné 2 points de pouvoir et un artefact équipe. Épique, pardon. Eh, ça va pas moi. Hein. Ouais, c'est dimanche, hein. Ah justement. Ça devrait aller mieux quoi. Van Helsing, donc moi je gagne. Je mets 2 points en volonté. Oh putain, ouais, ça fait un paquet de points même à mettre. Hop, et les deux derniers, allez hop. Un là et un là. Je booste à fond la vie. Les dégâts, pardon. Parce que la vie, je la mets à mon personnage secondaire, là, la Katarina. Catalina. Qu'est-ce qu'on a de beau que je voulais faire déjà? Donc là, c'est les fameux sorts que j'utilise, hein, éclair d'énergie, parce que ça, je vous l'avais pas montré tout à l'heure. Le contrôle, la mana maximum, donc c'est ici que je vais pouvoir l'augmenter aussi avec des points. On a que 3 points par level, et ça, bah, parfois il en faut 2, donc ça peut partir très très vite. Ici, on a quoi? Le mur de feu que je fais. Et là, c'est le soin, le mirage, le ralentissement. J'ai d'autres trucs que je peux débloquer ici, par exemple, qui permet d'être invulnérable pendant une courte durée. Du coup, ça, je le prendrai pas puisque j'ai la compétence que j'ai débloquée de l'autre côté. L'aptitude. Voilà. Et ici, voilà, ça, c'est pour augmenter mes dégâts de feu. Alors, qu'est-ce qu'on a débloqué d'autre? On a débloqué ça. Réponse rapide, réduction de rechargement des sorts. Réduction de dégâts. Vous voyez, ça c'est 2 points de compétence. Ça c'est gourmand. Ça c'est 3 points de compétence. C'est très gourmand.
pour réduire les dégâts, ça c'est pour le froid et ça c'est électrique. Régénération de mana, ça j'ai préféré faire de l'autre côté. Je mettrais bien un point ici et un point ici, histoire de booster un peu mon dégât de feu. Fais attention, tu peux prendre que 3 auras. De quoi, pardon? Il y a que 3 auras de disponibles. Oui, je sais. Ouais. Donc là, j'en ai que 3. En fait, j'ai boosté l'adepte de flamme que j'avais déjà commencé. D'accord. Ouais, salut Valnine. Oula, je vais y arriver. Je vais presque y arriver. À chaque fois, je massacre son pseudo. Oui, Valnessing, il était sympa. Il est toujours très sympa, je trouve. Pas très novateur, certes, il y a beaucoup d'idées copiées, mais son scénario est absolument excellent. Moi j'adore là, les petites notes d'humour quand on discute avec les personnages, les petits clins d'œil qu'il y a à droite à gauche sur des références cinématographiques et autres. Et puis il y a quand même quelques petits trucs sympathiques qui changent des autres jeux du même type, on va dire. Oui. Voilà Nine. Ah. Good morning, native. Je pense qu'il faudrait peut-être plutôt par l'autre côté. Ah. Oh mais non. Ou pas. Voilà. A plus de mana. Ouais. Ah, c'est horrible ces trucs qui piquent la mana là. Hop, on va faire ça. Tiens, toi, t'es copain maintenant. Voilà. On va faire... Ah! Voleur de mana, méchant. C'est elle là. Tiens, voilà, tu ne piqueras plus la mana toi. Pendant 22 secondes. Ah, il reste plus qu'elle, vas-y, sors de ton. Brûle! Brûle en enfer! Ah bah non, là c'est moi qui brûle. Pas grave, moi je continue de tirer. Y'a pas de soucis, à plus tard, Valanine. On appelle ça l'attaque des loups en feu. Juste derrière, t'as les corbeaux. Les corbeaux en feu aussi. Et d'ailleurs, ils aiment pas le feu. Oh non. Attends. Hop. Pourquoi il faut... Ah, c'est toi qui fais demi-tour. Il y en avait un sanctuaire à plus bas, mais bon, un retour. Ah, t'es bugué, non? Oui. Comment on peut te débloquer? J'ai une idée. Ah, TP en ville. Et après, tu te TP sur moi, c'est ça? Voilà. Obligatoire de marquement de TP sur toi, mais moi, je vais essayer de TP pour revenir. Je suis plus en combat, donc tu peux. Lapin! Ah, plus lapin! J'ai tué le lapin. Oh, j'ai tué le lapin.
Dis pas ça, il va arriver. Justement, c'est pour le faire venir. Allez, je peux téléporter sur toi. Avec le regard du psychotique. J'ai tué le lapin. Nous y voilà. Et on peut avancer. Ok, attends, il faut casser l'hôtel. Non, il faut cliquer sur l'hôtel, pardon. Il y avait un coffre là-bas. Ils font mal ces serres lugubres là. Et puis ils t'envoient valser, hein. Bon. C'est bon, on a réussi à les tuer ? Bon. Je crois, oui. Il y a quoi là-bas ? Caverne glaciale. On n'a pas de quête pour les cavernes glaciales, si. Atteignez le plateau, traversez les grottes et trouvez l'autre sortie. Donc si, c'est ça. Mais on va d'abord finir le plateau. Mais je crois qu'il faut traverser la grotte pour arriver au plateau. D'accord. Qu'est-ce qu'on a ici ? Un coffre que j'ai ouvert. Et il y a un golem de glace de l'autre côté là-bas. Je sais pas ce qu'il fout. Effectivement. Mais traversons la grotte pour savoir. On n'a rien oublié. Ça c'est quoi ça? Homme blessé. On l'a oublié lui. On y retournera après. Si on y pense. Allez, oui. Si on y pense. Il faut que les viewers nous y fassent penser. C'est ça. Mode viewer post-it. Dis pas ça, tu vas leur faire peur. Vous avez besoin de vous, Van Helsing. Harker prépare quelque chose, j'ai pas eu le temps de voir la suite. Tu peux cliquer sur les points de Harker prépare une nouvelle attaque dans les tunnels. Ça tombe bien, on est dans les tunnels, quoi. J'aimerais qu'on y soit. Pourquoi j'y suis... Pourquoi je peux pas avancer? T'y es, toi? Oui, j'y suis. Ah, sauf que... Moi, ça a bugué. Ça a bugué, moi. Je peux pas avancer. Je me TP. Ça a bugué, je vois plus mon personnage. Ni le tien, d'ailleurs. Je commande. Donc, ils sont soignés, donc du coup, j'en profitais juste pour leur montrer l'envoi de personnage avec le poste de pied. J'avais pas vu qu'il était déjà 4h10. Ils ont octroyé un bonus important aux caractéristiques agression. J'ai gagné une relique, j'avais pas vu ça. Donc c'est ce que je vous disais là, on a possibilité d'avoir 31 soldats de la résistance. J'en ai 29 parce que les autres ils sont morts et il faut les acheter. Et malheureusement... Non, si, j'avais mis un bonus, du coup il me coûte que 90, sinon c'est 100. Voilà. On achète... D'accord. Donc, on va prendre une cargaison de matériel. Alors là, ils nous disent que... Donc on a le descriptif de la mission ici. Et vous voyez, on a les 3 points de suspension qui peuvent permettre de demander à chacun des capitaines ce qu'ils en pensent de cette mission, en fait. Donc là, nous avons reçu des informations sur une cargaison de matériel envoyée à Curse. Nous devons l'intercepter. Nous connaissons son itinéraire à la composition de l'escorte militaire. Il faut étudier cet itinéraire. Et la suite, on l'aura pas. Et puis quand il m'annonce un truc. Ah, c'est le mec avec les mushrooms. C'est la quête avec les mushrooms. Voilà. Donc en fait, là, il y a...
Il y a eu un événement qui a été déclenché par Tenchi, c'est pour ça que là, ça s'est téléporté. Comme c'est ma partie, en fait, c'est mon personnage qui fait toutes les interactions. Nous connaissons son itinéraire, la composition de l'escorte militaire. Il faut étudier cet itinéraire, puis trouver l'endroit parfait pour une embuscade. Donc il faut que je mette un personnage qui soit bon en embuscade et en espionnage. Si espionnage et embuscade ici, et reconnaissance. Voilà. Cette attaque doit être judicieusement planifiée, donc il faut aussi qu'il soit stratège. Les gardes devront être éliminés à distance, donc il faut aussi qu'ils soient en distance. Donc en fait, quand je on lit. C'est tout à fait ce qu'il faut pour Grégor. Voilà, donc en fait, là, tout le descriptif de la mission va indiquer plus ou moins le personnage qu'on va choisir. Donc là, le chasseur, c'est lui, je crois, non c'est pas... Grégor Stark. Ah, Igor Stark. Stark. On se demande d'où il vient, son nom de famille. Hein? On dira rien. Igor, donc lui, il est à peu près à moitié au niveau du stratège. Embuscade, il est bon. Reconnaissance, il est bon. Et tir à distance, archer légendaire. Ah. Il est bon. Donc c'est bien lui qu'il faut envoyer. Si je clique sur les trois points de suspension, d'ailleurs, on va avoir une confirmation. Si je clique sur les bons, ça ira mieux. Voilà. À qui faites-vous appel pour étudier le terrain et positionner les tireurs d'élite sur les toits? Exact, à Mega et moi. Donc ça indique bien que c'est lui. Et là, j'avais cliqué sur l'autre personnage qui nous dit que ça pourrait poser problème. Donc on voit bien qu'en fonction du personnage, il va nous indiquer plus ou moins s'il est possible de faire la mission ou pas. Donc, on a dit Igor. Là, ça, ce que j'ai, c'est quoi? Caractéristique agression. C'est pas intéressant pour ce qu'on doit faire. Donc je vais pas le mettre. Et je vais envoyer le personnage. On va faire la même chose avec la deuxième quête. Seigneur vampire. Le baron est l'un des vampires renégats de la noblesse qui soutenait la résistance autrefois. Après la chute, il a repris sa vie solitaire. Nous devons le convaincre de nous aider, mais un vampire est un maître des pouvoirs occultes. Aussi devons-nous trouver quelqu'un de compétent. Il pourra utiliser ses capacités obscures pour se cacher et combattre. Donc un fufu. Il nous faut des pisteurs doués. La tâche la plus difficile sera de flatter et de promettre la lune au baron pour qu'il se joigne à notre cause. Donc ça, je pense que ce serait peut-être à la limite plus lui. Qui est maître stratège, érudit occulte. Et qu'est-ce qu'il nous a dit d'autre? Flatter, la flatterie. Où est-ce que c'est la flatterie? Bonne question. Expert mêlé, piège. De toute façon, je pense que ça sera plus lui que lui. Hein. Lui, il a des stats plus de combat en fait. Expert en mêlée, etc. On va lui demander d'ailleurs. Le baron est une créature aux multiples talents. J'admire sa connaissance de la magie. Et je peux suivre ses traces occultes. Nous saurons nous comprendre si je le trouve. Donc c'est bien lui qu'il faut envoyer. Agression, ça sera peut-être plus pour lui si jamais on a une mission. Voilà, donc on va envoyer notre ami. Et on n'a plus qu'à attendre. Donc les missions en cours, 13 minutes, et l'autre 18 minutes. Voilà. Je prends la nouvelle quête avant d'y repartir. Allez, on est parti. Je te dirai d'abord de vider ton inventaire, histoire qu'on revienne pas en vide pour rien, quoi. En fait, c'est la quête qu'on est déjà en train de faire. j'ai pas grand-chose. Capacité d'essence 35, c'est énorme ça. J'équipe. C'est quoi, c'est la place du masque, d'accord. Voilà les graphismes des objets, on a un peu du mal parfois à savoir ce que c'est. Le marchand, il est où? Non, il est pas là. Il est là.
Time to teach him a lesson. Donc, du coup, on était parti pour aller... je me téléporte sur toi ou... Non, non, je suis en ville à côté de toi, mais bon, tu peux te téléporter... Alors... Ouais, je peux pas te dire, t'es dessus. Caverne glaciale, c'est ça? Oui. Revalanine. J'y suis arrivé. Je me tépais directement sur toi. Allez, on continue cette aventure. Tiens, il y a des coffres. Enfin, des barils. Il y a un truc là-haut. J'ai pas confiance. Il a réussi champagne virtuel pour tout le monde. Ah, vas-y, paye ton champagne virtuel. Il va dire que c'est à moi de le payer. Tiens, un coffre. L'or. Ah, attends, il y a un autre coffre là-bas. Ah, bien vu. Qu'est-ce qu'il y a en bas? Moi, je suis curieux, moi. Il me dit d'aller à un endroit, je vais à un autre endroit, moi. Il y a un ascenseur qui est cassé. J'adore cette ambiance... comment on appelle ça, déjà? Ah, tiens, une essence. Cette ambiance-là, ce type de... De thème. Oh, joli! C'était quoi ça? C'est un truc que t'as cassé? Un cadavre que j'ai Que t'as fouillé, d'accord. Ouais. Valanine paye le champagne virtuel à tout le monde. Alors, on va essayer de voir ce que ça donne. Je crois que j'ai un truc pour toi, je m'éloigne un peu du vide, j'ai peur que ça tombe. Ah, j'ai un sceptre et une épée de main, c'est pour toi en plus. Ça c'est pour toi. Pour toi. Rechargement plus 5%. Ah non, ça c'est pas cool ça. Je gagne 16 en mana et en 10 en points en dégâts par coup. Par contre, j'ai tous mes temps de rechargement qui ont plus 5% alors que je suis à moins 12. Ça craint un peu quand même. Effectivement, oui. Et en fait, celle que tu m'as filée un peu mieux, c'est plus 3% que celle que j'ai loot. Mais ça reste du plus, quoi. Bientôt, on aura du grand level. Ouais, ben je pense pas que je les équiperai, dommage. Ascenseur! Non, il n'y a pas d'ascenseur ici. Non, mais en coffre. Comment on descend? Ah, là. Bah, de par où on était. Non. Non. Bon, on était bien en fait. Ouais, sauf que le pont il est cassé. Faut faire tout le tour. T'as l'impression que c'est juste à côté, mais en fait non. Non, c'est qu'on est revenu sur nos pas juste pour le coffre. Ah, il y a Valanine qui déclare sa flamme à Psycho. This little man must have died from exhaustion. Who was he? These handwritten notes might help. Listen. I failed to persuade the scientists that I'm a simple cook, not a miner. They told me to stop lying. That my kind always sings about gold. And we are good miners. Did they think he was a dwarf? Dwarves don't exist.
Stupid scientist. Wait. It goes on. They left me here. I'm weak, and I could only chisel down a couple of splinters from this rock. They haven't returned. I can't leave because of the kobolds. Poor thing. He was only a small man. But this rock could really contain rare minerals. You should try and dig up some. Van Helsing, join us immediately in the lair. We have to take back the tunnels. Alors, fouillons. J'ai eu quoi? Un minerai? D'accord. Non, c'est pas ça. J'ai eu des essences, moi. J'ai des runes. J'ai looté un truc violet. C'est ça. Fragment de rune maîtresse épique. C'est dans les runes et fragments. Ouais, on verra ça en ville. Ouais, on verra ça plus tard, je pense, surtout. Oh, petit coffre. C'est bien calme, je trouve. C'est trop calme. Je sens arriver le jumpscare. Encore un coffre. Encore? Ils sont carrachés. Je les vois pas. Ah, un truc vert. Je sais pas ce que c'est. Un vieux engrenage. Ok, ça. Un objet de quête. D'accord. Bon, je sens que c'est là que ça va chauffer. Pour nos fesses. Ça, il y a un truc, la commande d'ascenseur, d'accord. Je sais pas pourquoi, je sens qu'il fallait l'activer. Ouais, c'est pour le... Bah en fait, il y a beaucoup de loot dans cette grotte, mais il n'y a pas beaucoup de monstres, je trouve. Mmh. Bah faut ressortir, je pense. Mmh. Et là, si on appelle l'ascenseur, devant... ça fait quoi? On revient à l'entrée, alors qu'on a une sortie ici pour le... D'accord. En fait, c'est, ouais, c'est pour au cas où on revienne un jour. Voilà. Éviter de se taper toute la grotte comme on vient de faire, les différents étages, hein. On a le raccourci. Ah putain, c'est encore bugué. Décidément, ça fait deux fois. Je reviens. Vas-y. Ah bah, le jeu a cessé de fonctionner, comme ça au moins c'est clair. Oh. Je relance le jeu tout de suite. On appelle ça un crash en direct. Ouais. Désolé, hein, n'est-ce pas, hein. De toute façon, j'y suis pour rien. C'est de ma faute. C'est du direct. Voilà, le direct, les crashs, ça arrive, hein. Maintenant, il faut attendre que ça charge. Hop, c'est bon, c'est reparti. Toc. Et je suis où là? D'accord, je suis devant la porte de... Juste avant où on était. Mais je t'attends, là, du coup. J'essaie de te retrouver. Te voilà. Rejoindre. Petit chargement. Et me voilà. Hey,
J'aimais la première diffusion pour tous les soldats de la résistance, pour Borgoa. Bon. T'étais en ville sans te rechercher avec moi, je me suis tapé sur toi. allez, bon. Bon, en espérant que ça charge ce coup-ci. Ah, c'est mieux quand ça marche. Oui. C'est pas la volonté. Je crois qu'on avait un truc à gauche. Ouais, mais là on a du monde. Ouais. Ni le danger. Tu dis qu'on avait un truc de l'autre côté? Oui. Attends, je remets le chat justement, en premier. Justement, c'est... L'homme blessé, je crois. Ah non, les golems. Retournez d'où vous venez, étranger. Vous ne pouvez pas passer. Ne brisez pas les sceaux. Ça peut être intéressant, ça. Je vais faire de mon mieux, qui dit. Ah, il arrête pas avec ses messages. Hein. Lui qui disait que ça coûtait super cher et qu'il le ferait qu'en cas d'urgence, t'sais. C'est ça. Du coup, avant d'aller dans la forêt interdite, machin truc, je serais bien partant de finir la zone là-bas. Ouais, l'homme blessé à droite. Moi, je crame tout, quoi. Gentil, pas gentil. Coffre au trésor. Il n'y a rien dans le coffre au trésor. Il y a... Hop, il n'y a pas de décor à cliquer ou autre. Non. Pas pour le moment. Ah. Ici, il y a un monsieur. Une espèce de rat... un rat bizarre. Ivan. Well, good day to you, stranger. And to you, my lady. A good day to you, too. Do you have a free spot for two tired travelers? Travelers, huh? What kind of traveler takes a ghost lady with him? Dilemme, est-ce qu'on va faire un combat ou pas? Oui, je suis lambda, un noble riche, je suppose. Non, moi j'ai peur de rien. Ah, you must be the famous Van Helsing then. My apologies for this. Ah, bah ça va, il nous connaît. Why don't we all put away our weapons and let you browse our goods? Weapons, silk, jewelry. Tell me, Van Helsing, does this sound familiar? C'est les mecs qui ont dépouillé le cadavre qu'on a trouvé la dernière fois. Ah oui. Yes, it does. You are all filthy outlaws, just like you said. So what? You should have kept your mouth shut. Now you. Ouais, à l'attaque! Allez hop, on les ralentit, histoire de commencer. Oh, il y a du monde qui arrive en fait. Retraite stratégique. Oh, il y a des rats partout.
Là. Allez, Ivan, tu vas mourir. Wow, il y a du loot. Bon, bah voilà. Ça, c'est fait. Il y a pas mal de loot, on regardera ça tout à l'heure. Donc, je suis pas sûr de l'efficacité. Ah bah le voilà le cadavre. Help! Help me! This looks bad. What happened to you? Are you blind? I'm stuck under a rock. I have visions from the fever. Now I see a ghost lady. Hey, I'm here. How can I help you? I have a slab of dynamite with me. You have to blow up the rock. Follow my instructions faithfully and I'll be free. Il a pas peur le mec quoi. Don't doubt me. I have a certificate from the Borgovian Bomb Club. Ah le fou furieux quoi. Comment je fais pour suivre ces instructions là? Ah, placer la dynamite. You really want to follow his instructions? You heard the man. He's the expert. Trust me. I've seen plenty of things blow up around you. His advice feels wrong. Just put that dynamite where I show you. Bonne question, est-ce qu'on suit les indications du fantôme qui est déjà mort ou du mec qui est en vie et qui nous dit de poser de la dynamite? Je serais plus d'avis de suivre l'avis de l'expert. His life is at stake. We do what he says. Et on se casse. Ah bah ça a pas marché. Our expert is dead. You know, the Borgovian education system really must be... N'importe quoi. J'adore ce jeu. Viens voir, coffre. Ah, t'as trouvé un coffre? Un coffre caché. Là. Allez, on remonte tranquillou. Tour sur la map. I'm freezing. I've never felt so. Un fantôme qui a froid? J'allais dire oui. Don't give up, Katharina. We're almost there. Got you. Ah, ils sont trop cons ces persos, c'est pas possible quoi. Forêt géante. Allez, c'est parti. Comme tu dis. Hein. Moi je dis ça vaut bien le petit chocolat ça. Avec le petit bruit et tout comme ça vous l'entendez bien que je prends du chocolat. Ouais. Bon j'ai droit à une tortue et puis un coquillage. Manger. Ah, moi ça sera tout simple des petits biscuits. Of course I have. I'm an expert on the arcane, remember? It must have slipped my mind. So, what do they look like? A magical seal can be anything endowed with great occult powers. A simple lock, a statue, a tree. Even a frog waiting to be kissed back to a prince. In other words, we are looking for some needles in a mountain-sized haystack. I was almost afraid that this was going to be easy. Et non, c'est pas trop facile. Elle l'est jamais. Well, it didn't take us long to find the first corpse. He's been dead for a while. He looks rather undead to me. Shouldn't you recognize your fellow restless souls? Technically, he is not restless. His soul is still bound to the corpse. I have a magical moonstone on me. Take it and free my soul. I have a bad feeling about this.
We should leave. Don't you dare. I want that jewel. Tu m'étonnes. Pourquoi j'en étais sûr? Moi aussi. To the body, but when I took it, I cut the demon loose. I was aware of that, you know. I only wanted to lure out that spirit. Of course you did. De la seconde chance. Je ne veux pas mourir. Et le niveau super bien. GG. Bon bah nous voici dans la forêt bien profonde. Je sens que ça va être chaud. Ah, coffre. Oh, bien vu. Bizarre parce que par contre au niveau du stream ça a l'air d'être correct. Non, non, ça vient de chez moi. Ah d'accord. J'ai pas trop. Steam, de faire une mise à jour, ça m'étonne. Ah moi j'ai coupé Steam pour être sûr que voilà que vous soyez pas embêté au niveau du stream, j'ai même carrément coupé Steam. Couper aussi le wifi du téléphone. Dommage que j'ai rien pour contrôler ça. Hein. Petite potion. C'est bien, j'en bois une, il y en a une qui tombe. On a quoi là-bas? Pourquoi il y a une barre de vie? Il y a une synchro, moi. Et... Super. On va fermer. Il y a un fantôme là, mais je peux pas lui parler. Bon. Ah, mais il y a plein de fantômes partout, d'accord. On est arrivé dans une ville en fait. Bah alors le loup. Bonjour messieurs les fantômes. Ça devient compliqué de mon côté. Tu veux relancer le jeu? Ah, il reste 20 minutes.
Bah tu sais quoi, ouais, t'as raison. On va essayer de reculer jusqu'au prochain truc. Hop. Je fais une déco repos. Je devrais aller si vite. Ouais, de toute façon. Hop. Vas-y, pendant que je regarde mon inventaire. Menu principal là, sauvegarde. Alors, qu'est-ce qu'on a gagné de beau? Ça, c'est les sceptres qu'on a eu tout à l'heure. Oh, je crois que j'ai looté des armes pour toi. J'ai looté 3 pistolets. Moi, je suis en train d'arriver. 91 PV en moins. Par contre, je gagne 11 en mana, 1 en dégâts. Je perds 52 en protection. Quelques secondes, je reviens. Et pour... non, ça lui sert à rien. Ça, c'est quoi? Plus 1 en protection. Salut Guillaume, bienvenue à toi sur le stream de la native. En ce dimanche après-midi, c'est tout calme aujourd'hui, là, j'allais dire ce soir, là, mais il est 16h40, c'est encore l'après-midi, c'est tout calme, là, on est en train de redécouvrir ou découvrir, pour ceux qui ne connaissent pas, Van Helsing. On a fait un petit changement sur le planning, parce que voilà, on sait qu'il y a bientôt la grosse mise à jour de Elite Dangerous, et que bah on va geeker comme des porcs, donc du coup on fait une petite pause en attendant cette mise à jour, et puis là on s'est dit avec Tenchi, pourquoi pas vous faire découvrir ou redécouvrir ce jeu qui est Van Helsing numéro 2 de la série, hein. Il y en a 3 et plus un 4ème qui regroupe les 3 premiers. Et voilà, on s'y est mis il y a quelques temps, là, ça fait quoi? Ça fait une petite semaine avec Tenchi. Et puis, bah, écoutez, on s'amusait bien, donc on s'est dit, pourquoi pas vous faire partager tout ça. Bah écoute, si tu vas bien, tout va bien, dans le meilleur des mondes. Et puis voilà, on va continuer cette petite aventure. On a encore 20 petites minutes à tenir avant la suite du programme. Suite du programme avec Ford Akin qui fera du Hearthstone, Ezekiel avec du Heroes, Edge qui suivra derrière avec un petit jeu sorti des fourrés comme il a l'habitude, et Papa le Bélé qui finira la nuit avec vous sur Wolf quelque chose. J'arrive pas à dire le nom. J'arrive pas à Wolf Among Us. D'accord, je connais pas. Bah écoutez, si je suis pas couché, j'irai regarder aussi. donc là, qu'est-ce qu'on était en train de regarder? Ce qu'on avait looté? Ah bah voilà, avec les 10 biscuits. Avec les 10 biscuits. Moi, c'est Lady Katarina que j'ai, mais toi, c'est les 10 biscuits, c'est ça? Oh. Tu m'as tenté avec tes chocolats tout à l'heure. Moi, c'est des biscuits. PV, nanana. À 20% de rechargement en moins, ça c'est bon ça. Je me tâte à le prendre. Je perds 600 mana. Ouais, non, je vais le prendre. Je vais le prendre et puis je mettrai un peu plus de boost sur les. Sur les capacités auxiliaires, on va dire. Tiens, hop, on va lui filer tout ça. Mademoiselle Katarina, elle va aller faire les courses pour nous. Et puis je vais quand même en garder un, là, le plus 5. Pour le tester plus tard. Ça, Ezekiel est avec nous sur le chat. Salut à lui. Salut Ezekiel. Comment ça va aujourd'hui? T'as la pêche? Il y a toujours la pêche, Ezekiel. Est-ce que tu as ton bonnet? Parce que je sais que tout le monde va le demander. Est-ce que tu... Il va me tuer, Ezekiel. Entre le stream que je lui ai foiré la dernière fois et les vannes que je lui envoie, il va finir par me tuer. tiens, ce que j'ai looté qui pourrait t'intéresser. Ah.
ça peut être pour toi. Alors attends, hop, je renvoie la... personne, mon pote m'a appelé, tu m'as répondu pour savoir. Voilà. J'arrive pas à comprendre la phrase dans le contexte. C'est chiant parfois avec le décalage entre le stream et le chat. Parfois tu perds le fil de la discussion et tu sais plus trop qui veut quoi et voilà. Et encore, il y a pas grand monde. Heureusement qu'il n'y a pas comment, sinon qu'est-ce que ça serait. Ouais. Mais là, oui, non, là, je veux... Désolé, Guillaume, je ne vois pas le but de ta phrase. donc, on y va ? On continue ? On va aller tuer des monstres. On va faire ça à la Ezekiel. On va tuer tous les monstres. Have you seen a stranger with a ridiculous hat? T'as vu Ezekiel, la super mise à jour de Heroes of the Storm, là on est en train d'y jouer, ils ont tout changé, y'a plus rien à voir. Help us, sister. I haven't seen this many ghosts in one place since the Great Borgovian Haunt Fest. What happened here? Quand chasse automatique. The Spirit Walker Elders put a curse on us. The curse killed us first, then trapped us here, in the desolate void between two worlds, where we suffer and rage and... Yes, yes. Been there, done that. But why did he curse you? We were all sinners. Murderers and outlaws, and then one of us stole a sacred relic from the Spirit Walkers, and we paid for it dearly. If there's one thing I've learned during these adventures, it's that curses can be broken. No doubt about that. We even know how. We have to give back. Ah, une chasse au trésor. Aha. We don't know where the curse finished him. It can't be too far away. Pas de soucis, s'il y a un trésor, on va aller chercher ça. Actually, I've learned two things. Usually there is another option, but the second one is always bad. Elle a trop raison en plus. We could also be released if the totem of the tribe is destroyed. It contains all their power, including the curse. But it's ancient and mighty, and the whole tribe will protect it. As a ghost, I feel a personal bond with these spirits. We should help them. Bien sûr qu'on va les aider. Isn't it? We should search for that relic. Voilà, on va faire cette petite quête. Il nous reste 12 minutes. Donc voilà, on va faire ça pendant ces 12 minutes. Donc Guillaume, il nous dit en fait, son pote l'a appelé et du coup, il savait plus si je l'ai répondu. En effet, oui, ben oui, je t'ai répondu. Je disais que ça allait très très bien, qu'on était en train de redécouvrir ce Van Helsing ensemble. Jeu qui est sorti il y a quelques années déjà, mais voilà, ça fait toujours plaisir de voir ces petits jeux sympas à la Diablo, là, avec une histoire qui est vraiment bien foutue. Il y a plein d'humour et tout, donc c'est... On se régale bien, ça change un peu de cet espace intersidéral. Et puis de toute façon, comme je disais, on va du Elite, on va en bouffer... Hop, je vais essayer de pas mourir. On va en bouffer bien comme il faut après la prochaine mise à jour, donc on fait une petite pause, ça fait pas du mal. Ah, c'est le jeu à la retraite stratégique.
Tu restes pas au corps à corps comme Diablo. Hein. Surtout qu'on est deux... On est deux distances, donc forcément... Voilà. J'adore le ralenti, il est trop bien fait. Mmh. Les explosions qui au ralenti et tout, c'est énorme. Un puits. Bonjour puits. Fosse à carcasse. Ah, j'aurais peut-être pas dû cliquer dessus. Si ? I have a bad feeling about this. I hope it's not a girl with long black hair. Ça va être trop ça. Y'a rien qui sort. Ah si. Non, c'est des corbeaux. Hop, on va les figer un peu. Oh, juste avant le... Oh. Le sort électrique. Ouais. Ah bon, là. Oula. Hop, level up. GG. Réputation en hausse. Oh. Oh, avec les tornades et tout. Bon, il y a eu du loot là. Oh oui. J'ai déjà rempli une page. Alors bientôt aller faire un tour en ville pour se vider l'inventaire. Mais non, il y a la fille qui s'occupe de tout ça. Qui est morte d'ailleurs, au passage. comment elle est la map? Ça c'est fait, donc il faut qu'on reparte en arrière pour aller vers le point qui est ici. D'accord. Par contre, c'est cool ça qu'ils aient mis un système où on peut se téléporter sur les autres joueurs. Ils l'ont mis que vachement tard sur Diablo, ça. Le 3, il me semble. Bon, le géant, tu fais demi-tour là. Voilà. On va taper sur les autres, plutôt que nous taper dessus. Bam! Allez, trop d'un coup! Ah, un camp. That stew smells good. It must be the famous Hungarian goulash. The Hungarian goulash is a soup, although it looks like a stew. How could I live in this constant state of ignorance? T'as vu que même les... Quand je fais un truc de feu comme ça, les... Même la végétation, elle prend feu. Ouais. C'est superbe, quoi. Franchement, il paye pas de mine, ce jeu. Si je hop, si je zoome un peu, que je mets le feu là. Si je me rate pas, ça sera mieux. Vous voyez, il y a la végétation qui brûle, quoi. Ça, c'est énorme. Hop. Copain. Il a pas fait longtemps long feu, le copain. Ouais, on va les laisser se battre entre elles. Hein.
Elle a même détruit le totem pour nous, c'est cool. Merci. La reine des glaces. Tiens, il y a deux coffres là-bas. Hop, moi je me protège. Voilà, d'abord. Salut Dame Daniel, bah écoute, ça va très très bien, et toi, comment vas-tu en ce dimanche après-midi? Nous on tape du monstre et on fout le feu partout. Je crois que Daniel avait oublié de déverrouiller son verrouillage majuscule, du coup il s'est retrouvé avec Mobot qui virait tous ses messages quoi. Il faut pas écrire en majuscule, Dame Daniel, Mobot il aime pas. Il est très méchant avec les majuscules. Je vois pas tes messages. Bon, on peut l'ouvrir le coffre, c'est bon? Merci. J'aurai des trucs pour toi. Ouais, bon, on verra ça à la pause, je pense. Ouais. Méchant Mobot, ouais, t'as bien raison. Des mots. Mais il est nécessaire, le monsieur Mobot. Oh! C'est quoi ces flèches? Elles viennent d'où là? On a un gros méchant qui vient d'arriver. Yougaroth, qui s'appelle le monsieur. Il veut pas nous laisser passer le pont. Tiens, et si tu bouges plus, ça te donne quoi? C'est le butcher. On est en train de faire le butcher. Son ah d'accord, ton clavier est cassé, tu peux faire que des majuscules, c'est dommage. Essaye avec le clavier virtuel au pire. Il y a aussi une histoire de langage dans tout ça. Il va falloir qu'il se calme par contre. Oh,
Donc ce que je propose là, c'est qu'on aille jusqu'au portail qui est un peu plus loin sur la gauche. On va en ville. Et puis je vais passer tranquillement la main à mon successeur. Normalement c'est Ford Hacking qui prend la suite sur du Hearthstone. S'il fait pas comme moi et qu'il change... Oh, c'est quoi ces pièges? Je connaissais pas, tiens. On s'attend les tigres de place. Tiens, moi je les brûle, moi, ah les non, pièges. Le marcheur. Le marcheur qui est juste à gauche. Mais ce qui semblait valide. Des popos qu'on ne cherche pas à voir sur le stream de la native. Bah, did you see that? That's what they call monster hunting these days. Et comme d'habitude, Ford Hacking me dit de terminer tranquille parce qu'il est encore un petit peu à la bourre. Y'a pas de soucis. On va regarder les deux têtes se parler. Just give him his reward and let's get back to sleep. Ah bah, elles sont gentilles les têtes en pierre, elles nous donnent même des trucs quoi. Finissons de nettoyer la zone. Un coffre au-dessus. Attends, j'ai un nouveau copain là-haut. Hop, bonjour copain. On va ouvrir le coffre caché derrière. Attention, il va sortir de son sommeil. Et paf, le géant. Il y a un autre coffre là-bas. Oh, oh, il y a du monde. Il y a du monde là-dedans. Des loups. Ça sent l'embuscade. Un petit peu, ouais, quand même. Hein. N'irait-on pas à gauche, sachant que le pied est à droite. Ou alors directement à droite, histoire de pouvoir finir tranquillement. Hop. Ouh, je le sens pas ici. Oh non. Bonjour mes gros. Ah, des marcheurs. Voici les marcheurs dans le froid. D'après vous, moi ça me rappelle une certaine série ça. Is sacred land. Actually, I have quite a lot to do here. I came to deal with the curse that the spirit walkers brought down upon a village. I want you to break the curse. I know that village well. A hive of murderers and brigands who stole from our ancestors. The curse stays until we get our stolen relic back. Alors donc d'un côté t'as les villageois qui me demandent de détruire le totem et de l'autre t'as les marcheurs qui te demandent de retrouver une relique. Et bien avec ça on va faire des allers-retours. I'll hunt down your relic for you. Ok, bon bah écoutez, on va s'arrêter là-dessus, on va aller partir en ville, puis hop. Voilà. Bah écoutez, c'était une bonne petite après-midi bien sympathique sur ce petit jeu qui fait plaisir de revoir un petit peu. Moi je connaissais pas du tout jusqu'à il y a une semaine. J'espère que ça vous a tous bien plu de découvrir ou redécouvrir Van Helsing. Là moi je vais vous laisser avec Ford Hacking qui en fait est prêt, il était pas en retard, c'est juste qu'il voulait pas me presser. Voilà, donc il est là, il est prêt à vous faire rêver sur Hearthstone. Moi je vous dis à jeudi prochain si tout va bien pour un nouveau stream. Et puis, bon après-midi avec toute l'équipe. Donc, je vous redonne le planning. Ford Hacking, donc juste derrière moi. Après, vous aurez Ezekiel qui fera du Heroes sur les coups de que je me trompe pas d'heure, de 20h. Et Edge qui prendra le relais à 22h. Et à partir de minuit jusqu'à plus soif, ça sera Palpa Bailey. Voilà, donc n'hésitez pas à rester, faire des petits commentaires, un petit j'aime, un petit follow.
follow, tout ce que vous voulez. Pareil pour ma chaîne perso, ben, un petit slash, un petit point d'exclamation chacun si vous en voulez en savoir plus. Et puis, je vous souhaite à tous une bonne continuation. Ciao, ciao les amis. À plus tout le monde.